Le froid, c'est pour les loups et les ours polaires. Pas pour nous. Pas vrai, Arnaud? Hein, Arnaud, j'ai raison. Non, moi j'aime bien le froid. Comme ça, on a le droit à du chocolat chaud. Oh. Bon, je te réserve une place. Un chocolat, s'il vous plaît. Non. Oh. La 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 et tout, la 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 et tout. Oh, mademoiselle Bille en tête. Cette semaine, c'est moi qui sers à la cafétéria. Une guimauve ou deux? Deux, s'il vous plaît. Lise, de la guimauve, je te prie. Hein? Oh, et fais attention, Arnaud. Comme disait toujours mon grand-père Nicolas. C'est bon quand c'est chaud dedans, mais prudence, c'est brûlant. J'irai jusqu'au bout du monde pour un bon petit chocolat chaud. Tu vas peut-être parler un peu vite. Juste comme il faut. Ni trop chaud, ni trop froid. Parfait. Salut Arnaud. Un bon chocolat chaud, il n'y a rien de tel. Oh, Véronique, c'est à moi que tu devais réserver une place, pas à Harry. C'était pas pour te vexer, hein. Y a pas de problème. Mon chocolat, je peux le boire n'importe où. Si on allait là-bas. À côté de la vitre ouverte? Tu plaisantes? J'ai pas envie de me transformer en glaçon. Pas de risque avec une bonne tasse de chocolat chaud. Maintenant, c'est entre toi et moi. Oh, mais c'est gelé! Pourquoi est-ce qu'il s'est refroidi aussi vite? La question que j'attendais. Ah, t'aurais mieux fait de la boucler, Arnaud. Tu sais bien que j'ai horreur du froid. Je voulais juste savoir pourquoi ce chocolat s'est refroidi. Ça, Arnaud, c'est un sujet brûlant. Et quel meilleur endroit pour étudier la chaleur que les solitudes glacées du pôle Nord? J'ai bien entendu pôle Nord. Absolument. C'est une blague? C'est un des endroits où il fait le plus froid sur Terre. Dans mon ancienne école, on avait des manteaux contre le froid. Non, bien sûr, où est-ce que j'avais la tête? J'aurais dû y penser avant. Dites, mademoiselle Bille en tête, vous trouvez pas que c'est un peu léger pour un temps comme ça? Bon, alors, voyons ce que nous avons en réserve. Des vestes en laine? Non. Des anoraks en divet? Rupture de stock. Des blousons d'aviateur? Oh, je n'en ai plus. Mademoiselle Bille en tête! Oula! Remue-toi! Le moteur doit être complètement gelé. Et le radiateur est déjà en panne. Oh non, t'aurais dû rester chez toi. Et pourquoi ça, Thomas? C'est le paradis ici. Oh non, on va jamais, jamais s'en sortir. Et Kisha, ferme cette fenêtre. Tu laisses sortir toute la chaleur. D'après ce que je suis en train de lire, dans cette région, la température descend facilement jusqu'à moins 50. Arnaud, si on est ici, c'est à cause de toi. Pas de panique, j'ai une solution. Et laquelle? Eh ben, je sais pas encore, mais je vais y réfléchir. Oh oh, on dirait que certains perdent leur chaleur plus vite que d'autres. C'est normal, Lise est à sang froid. Ces animaux tirent toute leur chaleur de l'extérieur. Regarde! On dirait qu'elle nous montre quelque chose. T'en fais pas, Lise. Je vais pouvoir te réchauffer. Ma chaleur est ta chaleur. Elle voulait peut-être nous montrer cette malle. Hey! Désolée, Anne-Sophie. Génial! Des lunettes de ski. Non, pas tout à fait. C'est mieux que des lunettes de ski. Ce sont des infrarouges. Des infrarouges? Et à quoi elles servent? Waouh! Je rêve ou quoi? Tu vois les cheveux de Bille en tête poussée? Ce ne sont pas des cheveux, Raphaël. C'est quelque chose qui est en train de sortir de son corps. Si vous voulez mon avis, c'est la chaleur qui se dégage. Bah, en tout cas, elle s'en va vite.
Regardez, elle s'échappe même du bus. Et elle s'en va dans l'air glacé. Kisha, je t'en prie, laisse cette fenêtre fermée. Ça y est, je crois que j'ai compris. C'est comme ça que ma tasse de chocolat chaud s'est refroidie. La chaleur a traversé le métal. Ah, tu as mis dans le mille, Arnaud. La chaleur est sans cesse en mouvement. Donc elle peut aussi sortir de notre corps. Il faut vite qu'on trouve de quoi se réchauffer. Je suis sûr qu'en fouillant bien, on tombera sur quelque chose. Hé, hey, du bois. On va pouvoir faire un bon petit feu. Ah, c'est une idée géniale, Arnaud. J'oserais même dire que c'est une idée fumante. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Enfin un peu de chaleur. Mais pour combien de temps encore? Tant qu'il y aura du bois. En tout cas, ça veut dire qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Chaque fois que j'ai un problème, je me prépare un bon thé au citron. Ça m'éclaircit les idées. Puisqu'on parle d'idées, moi j'en ai une. Si on cassait toutes les malles qu'il y a dans le bus, ça nous ferait plein de bois à brûler. Excellente idée. Je suis de corvée de bois. Attention devant. Hé, hey, c'est des bouillottes. Attendez un peu. Regardez, vous vouliez une source de chaleur? On dirait que tu en as plusieurs. Il n'y a qu'à remplir. Waouh, regardez toute cette chaleur qui pénètre dans la bouillotte. Ouais. Et surtout, toute cette chaleur qui pénètre dans mon corps. On a réussi à faire passer la chaleur de la bouilloire jusqu'aux bouillottes. Alors, on doit pouvoir emmener la chaleur des bouillottes jusqu'au moteur du bus. Et une fois réchauffé, il n'y a pas de raison pour qu'il ne redémarre pas. Et vroom, vroom. Et là, on sera tous tirés d'affaire. Et il est parti avec Raphaël et Ophélie. Ophélie, on ne peut pas. Est-ce que je me fais des idées ou est-ce qu'on est en train de dériver? En tout cas, dans mon ancienne école, on ne nous laissait pas flotter sur des blocs de glace. D'abord, on perd notre chaleur et maintenant, on va perdre tous nos amis. Et le bus? Moi, c'est ma bouillotte que j'ai bien failli perdre. Ben, c'est plus vraiment une bouillotte. Toute la chaleur est partie. Si on ne se tient pas au chaud, on ne pourra jamais sauver le bus. Sans parler de nous. Il ne faut jamais désespérer, Arnaud. Regarde, c'est si beau tout autour de nous, a un aspect duveteux. Et justement, puisqu'on parle de duvet, si nos manteaux avaient des doublures en plumes d'oie ou de canard, la chaleur ne s'échapperait pas aussi rapidement. Là, tu me donnes une idée, Anne-Sophie. Je peux emprunter ton livre? Bien sûr. Arnaud, mais ça ne va pas, tu viens de déchirer mon livre. Je suis désolée, Anne-Sophie, mais comme on dit, au grand mot, les grands remèdes. Puisque la chaleur s'échappe si facilement de cette veste, la seule solution, c'est de trouver un moyen pour la bloquer. Hé, hey, mais ça marche. Oh, c'est l'inspiration de l'isolation. On va se transformer en iceberg. Et eux, qu'est-ce qu'ils font, hein? Je te parle, c'est toi qui as la jumelle. Pour l'instant, ils sont en train de bourrer leur manteau de papier. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont devenus fous? Peut-être pas. On dirait que ça permet à Arnaud de conserver sa chaleur. Il la perd bien moins vite que Véronique. Dommage qu'on ait rien pour mettre dans nos vestes. Qu'est-ce que tu as, Lise? C'est le manuel d'entretien. Peut-être qu'on trouvera dedans le moyen de réchauffer le bus et de le changer en hélico. J'ai pas regardé. Bien sûr. Mais ça va pas! Ce livre était notre unique chance de survie, Ophélie! Exact. Et d'ailleurs, je commence à me réchauffer. Le papier fait un excellent isolant. Raphaël! Gardez votre sang-froid! On va vous tirer de là! Notre sang-froid? Pour ça, il n'y a pas de problème. Bon, on a réussi à ralentir la perte de chaleur avec du papier, mais j'ai bien l'impression que ça va pas suffire. Et si on ne veut pas geler sur place, il va falloir trouver quelque chose d'un peu plus efficace. Que ferais-tu si je te disais que la solution à tous nos ennuis se trouve au nord? Ben, je répondrai, on y va et tout de suite! Ça, c'est pas la peine de me le répéter deux fois. J'arrive!
Mais je dois vous avertir que... Ah, ça fait vraiment du bien. Enfin une source de chaleur. Comme dirait Raphaël, c'est une impression ou est-ce que cette source de chaleur sent vraiment très mauvais? Aucune importance. Si on ne conserve pas notre chaleur pour sauver le bus, Raphaël risque de se taire à jamais. C'est marrant, ça sent le poisson. Ça souffle de l'air chaud. On dirait que... Ah! C'est un ours polaire! Ah! Yahoo! Il nous voit! Il nous voit plus! Wow! Il faut qu'on sauve Raphaël et Ophélie. J'ai une idée. Enfin, disons que j'ai le début d'une petite idée. Mais ça va venir. Oh, j'ignore où on est. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud. Et si on ramenait cette source de chaleur jusqu'au bus? Ça ne serait pas une mauvaise idée. Dans ce cas, il faut d'abord réussir à les repérer. J'ai avec toi. Je n'y comprends rien. On est au milieu du pôle Nord. Alors comment est-ce qu'on peut avoir si chaud? Bah, il n'y a qu'à regarder. La chaleur semble venir du sol. Et même là-haut, il continue à faire chaud. Tu as raison, Arnaud. On dirait que la chaleur du sol est piégée par ces drôles de plantes. À propos, qu'est-ce que c'est? Hé, venez tous par là! Ça y est, j'aperçois le bus. Et Kisha, on dirait que la chaleur s'échappe par le haut de cette drôle de forêt. Oh, mais ce n'est pas une forêt, c'est la fourrure de l'ours. On vient d'embarquer sur un ours polaire. On a embarqué sur un ours polaire. Dans ce cas, ça veut dire que les poils de sa fourrure lui servent d'isolation et conservent la chaleur. Et comme le dit toujours ma petite nièce, les poils d'ours, c'est pour ça. Mademoiselle. Ça y est, j'ai compris. C'est l'enchevêtrement des poils qui conserve la chaleur. Voilà une excellente observation, Carlos. Génial. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Gilly, 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 gilly. Ils sont passés. Aucune idée, Raphaël. C'est vrai, je ne les vois nulle part. Hein? C'était quoi ça? On dirait bien que notre bout de glace se réduit. Se réduit? Tu veux dire qu'il rétrécit? Et qu'il part en morceaux? Je crois que tu as bien résumé la situation. Coup de chance, on a atterri pas loin du bus. Oh, non! La plaque de glace est en train de se briser. Je crois que là, on est fichu. Fini les mauvais jeux de mots de Carlos. Fini aussi les voyages d'études. Fais tes prières, Ophélie. Raphaël, je t'en prie, secoue-toi un peu. Si j'en crois ce qui est marqué là-dessus, il devrait y avoir des couvertures ici. C'est dégoûtant. Ça ressemble pas du tout à des couvertures. On dirait plutôt de la graisse. C'est peut-être dégoûtant, mais ça emprisonne la chaleur. Qu'est-ce qui se passe encore? Toi, fiche le camp! Allez, dégage! On n'a rien contre toi, mais t'es un peu trop lourd! Attends un peu, comment est-ce que ces morses peuvent nager dans une eau aussi froide? Aucune idée. Regarde, il n'y a presque pas de chaleur qui s'échappe de leur corps. C'est comme avec la graisse que tu as sur la main. Mais bien sûr, c'est ça! C'est leur graisse qui les isole, et si ça marche pour eux, ça devrait marcher pour nous aussi.
Dépêche-toi, Raphaël, ça va marcher, tu peux me croire. Regarde, les voilà. Eh oh! Oh non! Ils ont tellement perdu de chaleur qu'ils sont devenus tout jaunes. Arnaud, quand tu as froid, c'est au bleu que tu vires, pas au jaune. J'ai déjà fait l'expérience. Hé! Venez, rejoignez-nous! Oh! On a trouvé comment conserver la chaleur. Eh oh! Ouais! C'est super! Accroche-toi, Ophélie! Il faut absolument les secourir. Dans ce cas, on n'a qu'à plonger et nager jusqu'au bus. D'après ce que je suis en train de lire, tu ne peux pas survivre plus de 3 minutes dans une eau aussi glaciale. Bon, bah, si t'en es sûr, moi je laisse tomber. Ne t'en fais pas, Arnaud. Je sais comment résoudre ce problème. Lise, à toi de jouer! Plutôt ça de graisseux. Joli travail, Lise! Et maintenant qu'on est prêt, on n'a plus qu'à se jeter à l'eau. Un bon petit bain, ça fait du bien. Hors de question que je mette un orteil là-dedans. C'est trop froid, et si je crains quelque chose, c'est bien le froid. T'inquiète pas, Véronique, je t'assure que cette graisse est à la merveille. Elle repousse l'eau et conserve la chaleur. Et si moi, Arnaud, je peux le faire, alors toi aussi. Là, il a raison. Je voudrais pas qu'on me traite de trouillarde. C'est super, je ne sens même pas que l'eau est glacée. Ah, oh, Ophélie, ça me fait vraiment plaisir de te revoir saine et sauve. Ouais. À mon avis, il faudrait faire redémarrer le bus et en quatrième vitesse. Dommage que ce pauvre bus n'est pas aussi chaud que moi. Ouh. Oui, ça y est, j'ai un plan. Ça ne m'étonne pas de toi, Arnaud. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux, et un. La chaleur qu'on dégage devrait suffire à réchauffer notre bus et à lui permettre de repartir. Attends un peu. Toute la chaleur qu'on produit s'échappe à travers le métal. Oh non! Et si encore le bus pouvait se transformer en un énorme ours polaire avec une grosse fourrure bien épaisse? Bien sûr! Si on veut le réchauffer, il faut avant tout empêcher que la chaleur s'échappe. Comment? Laissez-moi réfléchir une petite minute. C'est là que se trouvait le matériel à fabriquer les igloos. 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 Oh, igloos. Joli travail, Arnaud. Merci. Allez, dépêchez-vous un peu, il manque encore quelques blocs de glace. Je n'aurais jamais cru que la neige pouvait isoler aussi bien. Parce que tu te disais qu'elle était trop froide. C'est vrai, mais regardez comme elle est légère et poudreuse. C'est parce qu'elle est faite de minuscules poches d'air qui bloquent la chaleur. Comme le fait la fourrure pour l'ours polaire. Exactement. Et un, et deux, et un, et un pour deux. Allez, 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 un peu de l'air, un peu de l'air. Il faut que ça chauffe, ouais. Remuez-vous. Hé, hey, vous avez vu? Ça marche. L'igloo empêche la chaleur de s'échapper. Ah, et le bus se réchauffe. Waouh, c'est ça l'inspiration. L'inspiration de l'isolation. Excellent travail, les enfants. On a fini juste à temps. Oh. Tout le monde à bord. Mademoiselle, on n'a pas intérêt à traîner ici. Bonne tasse de chocolat bien chaude. Tu l'as mérité, Arnaud. Merci, mademoiselle Billentête. Et ce coup-ci, elle va rester bien au chaud. Voilà une invention très ingénieuse. Oui, je sais. Oh! Oh non, encore celui-là!
Mais qu'est-ce que je vois là? Une doudoune pour tasse de chocolat. Avec ça, la chaleur ne s'en ira pas. Double couche d'isolant. Ça y est, j'y suis. C'est l'inspiration de l'isolation, pas vrai? Dis-moi, comment tu sais ça, toi? J'avais Bille en tête comme institutrice l'année dernière. Allez, assieds-toi, Arnaud. À la vôtre. Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On va tous parler au bus magique! Le bus magique, c'est le producteur à l'appareil. Je viens de voir votre émission et je me demandais où je pourrais trouver une paire de lunettes comme les leurs. Nulle part, elles n'existent pas vraiment. Ah ouais, je m'en doutais. Mais il existe des lunettes qui permettent de voir la chaleur. Je sais, c'est pas le même modèle, mais ce sont aussi des infrarouges. Exact, seulement elles n'ont pas la classe des nôtres. C'était pas vraiment la peine d'aller jusqu'au pôle Nord pour prouver que certaines matières laissaient passer la chaleur et d'autres non. Bien sûr, tu veux parler de l'inspiration de l'isolation? Bravo! Vous n'avez qu'à regarder les murs ou les sacs de couchage. Ce sont les petites poches d'air contenues dans l'isolant qui empêchent la chaleur de s'enfuir. Lise, non, non, pas touche! Mais il n'y a pas forcément besoin de s'enduire de graisse pour ne pas avoir froid dans l'eau. Et c'est ça, il y a des combinaisons dont la matière contient elle aussi des milliers de petites poches d'air. Alors pourquoi vous n'en avez pas utilisé? Parce qu'on a trouvé que c'était bien plus drôle comme ça. D'accord, d'accord. Ah. Moi aussi, ça m'a fait rire. Mais à part ça, au lieu de fabriquer sa doudoune à chocolat, Arnaud aurait mieux fait d'acheter un thermos. S'il l'avait fait, bien sûr, je ne vois vraiment pas ce qu'on vous aurait raconté. Au fait, si tu m'en parles, c'est que tu sais que c'est le revêtement spécial du thermos qui empêche la chaleur de s'échapper. Ah, une dernière chose. Emmener un lézard au pôle Nord, c'est vraiment de la folie. C'est vrai, n'importe quel reptile se serait endormi et serait mort de froid en un clin d'œil. C'est vrai, on y a pensé, mais pour tout te dire, Lise n'est pas un lézard comme les autres. Oh, 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 au revoir. Lise, d'accord, d'accord, je sais que tu n'as pas aimé le voyage, mais ce n'est pas une raison pour... te venger. Pouf, mais je n'y suis pour rien, moi. Et les spectateurs non plus. Désolé. Oh, mademoiselle Bille en tête. Cette semaine, c'est moi qui sers à la cafétéria. Une guimauve ou deux? Deux, s'il vous plaît. Lise, de la guimauve, je te prie. Hein? Oh, et fais attention, Arnaud. Comme disait toujours mon grand-père Nicolas. C'est bon quand c'est chaud dedans, mais prudence, c'est brûlant. J'irai jusqu'au bout du monde pour un bon petit chocolat chaud. Tu as peut-être parlé un peu vite. Juste comme il faut. Ni trop chaud, ni trop froid. Parfait. Salut Arnaud. Un bon chocolat chaud, y a rien de tel. Oh, Véronique, c'est à moi que tu devais réserver une place, pas à Harry. C'était pas pour te vexer, hein. Y a pas de problème. Mon chocolat, je peux le boire n'importe où. Si on allait là-bas. À côté de la vitre ouverte? Tu plaisantes? J'ai pas envie de me transformer en glaçon. Pas de risque avec une bonne tasse de chocolat chaud. Maintenant, c'est entre toi et moi. Oh, mais c'est gelé! Je qualifierais plutôt ça de graisseux. Joli travail, Lise! Et maintenant qu'on est prêt, on n'a plus qu'à se jeter à l'eau. Un bon petit bain, ça fait du bien. Hors de question que je mette un orteil là-dedans.
C'est trop froid. Et si je crains quelque chose, c'est bien le froid. T'inquiète pas, Véronique. Je t'assure que cette graisse est à la merveille. Elle repousse l'eau et conserve la chaleur. Et si moi, Arnaud, je peux le faire, alors toi aussi. Là, il a raison. Je voudrais pas qu'on me traite de trouillarde. C'est super, je ne sens même pas que l'eau est glacée. Ah, oh, Ophélie, ça me fait vraiment plaisir de te revoir saine et sauve. Ouais. À mon avis, il faudrait faire redémarrer le bus et en quatrième vitesse. Dommage que ce pauvre bus n'est pas aussi chaud que moi. Ouh. Oui, ça y est, j'ai un plan. Ça ne m'étonne pas de toi, Arnaud. Et un, et deux, et un. Ah, oh, coup de chance, on a atterri pas loin du bus. La plaque de glace est en train de se briser. Je crois que là, on est fichu. Fini les mauvais jeux de mots de Carlos. Fini aussi les voyages d'études. Fais tes prières, Ophélie. Raphaël, je t'en prie, secoue-toi un peu. Si j'en crois ce qui est marqué là-dessus, il devrait y avoir des couvertures ici. C'est dégoûtant. Ça ressemble pas du tout à des couvertures. On dirait plutôt de la graisse. C'est peut-être dégoûtant, mais ça emprisonne la chaleur. Qu'est-ce qui se passe encore? Hé, dis donc toi, fiche le camp. Allez, dégage. On n'a rien contre toi, mais t'es un peu trop lourd. Attends un peu. Comment est-ce que ces morses peuvent nager dans une eau aussi froide? Aucune idée. Regarde, il n'y a presque pas de chaleur qui s'échappe de leur corps. C'est comme avec la graisse que tu as sur la main. Mais bien sûr, c'est ça. Je crois que là, on est fichu. Fini les mauvais jeux de mots de Carlos. Fini aussi les voyages d'études. Fais tes prières, Ophélie. Raphaël, je t'en prie, secoue-toi un peu. Si j'en crois ce qui est marqué là-dessus, il devrait y avoir des couvertures ici. C'est dégoûtant. Ça ressemble pas du tout à des couvertures. On dirait plutôt de la graisse. C'est peut-être dégoûtant, mais ça emprisonne la chaleur. Qu'est-ce qui se passe encore? Toi, fiche le camp. Allez, dégage. On n'a rien contre toi, mais t'es un peu trop lourd. Attends un peu. Comment est-ce que ces morses peuvent nager dans une eau aussi froide? Aucune idée. Regarde, il n'y a presque pas de chaleur qui s'échappe de leur corps. C'est comme avec la graisse que tu as sur la main. Mais bien sûr, c'est ça. C'est leur graisse qui les isole. Et si ça marche pour eux, ça devrait marcher pour nous aussi. Dépêche-toi, Raphaël, ça va marcher, tu peux me croire. Regarde, les voilà. Eh oh! Oh non! Ils ont tellement perdu de chaleur qu'ils sont devenus tout jaunes. Arnaud, quand tu as froid, c'est au bleu que tu vires, pas au jaune. J'ai déjà fait l'expérience. Venez, rejoins! Même du bus. Et elle s'en va dans l'air glacé. Kisha, je t'en prie, laisse cette fenêtre fermée. Ça y est, je crois que j'ai compris. C'est comme ça que ma tasse de chocolat chaud s'est refroidie. La chaleur a traversé le métal. Ah, tu as mis dans le mille, Arnaud. La chaleur est sans cesse en mouvement. Donc elle peut aussi sortir de notre corps. Il faut vite qu'on trouve de quoi se réchauffer. Je suis sûr qu'en fouillant bien, on tombera sur quelque chose. Hé, hey, du bois. On va pouvoir faire un bon petit feu. Ah, c'est une idée géniale, Arnaud. J'oserais même dire que c'est une idée fumante. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Enfin, un peu de chaleur. Mais pour combien de temps encore? Tant qu'il y aura du bois. En tout cas, ça veut dire qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Chaque fois que j'ai un problème, je me prépare un bon thé au citron. Ça m'éclaircit les idées. Puisqu'on parle d'idées, moi j'en ai une. Si
si on cassait toutes les malles qu'il y a dans le bus, ça nous ferait plein de bois à brûler. Excellente idée. Je suis de corvée de bois. Attention devant. Hé, hey, c'est des bouillottes. Attendez un peu. Regardez, vous vouliez une source de chaleur? On dirait que tu en as plusieurs. Il n'y a qu'à remplir. Waouh! Regardez tout au milieu du pôle Nord. Alors comment est-ce qu'on peut avoir si chaud? Bah, il n'y a qu'à regarder. La chaleur semble venir du sol. Et même là-haut, il continue à faire chaud. Tu as raison, Arnaud. On dirait que la chaleur du sol est piégée par ces drôles de plantes. À propos, qu'est-ce que c'est? Hé, hey, venez tous par là! Ça y est, j'aperçois le bus! Et Kisha, on dirait que la chaleur s'échappe par le haut de cette drôle de forêt. Oh, mais ce n'est pas une forêt, c'est la fourrure de l'ours! On vient d'embarquer sur un ours polaire! On a embarqué sur un ours polaire! Dans ce cas, ça veut dire que les poils de sa fourrure lui servent d'isolation. Et conserve la chaleur! Et comme le dit toujours ma petite nièce, les poils d'ours, c'est pour ça! Mademoiselle! Ça y est, j'ai compris! C'est l'enchevêtrement des poils qui conserve la chaleur! Voilà une excellente observation, Carlos! Génial! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Gilly, 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 gilly! C'est ma bouillotte que j'ai bien failli perdre. Ben, c'est plus vraiment une bouillotte. Toute la chaleur est partie. Si on ne se tient pas au chaud, on ne pourra jamais sauver le bus. Sans parler de nous. Il ne faut jamais désespérer, Arnaud. Regarde, c'est si beau tout autour de nous à un aspect dufteux. Et justement, puisqu'on parle de duvet, si nos manteaux avaient des doublures en plumes d'oie ou de canard, la chaleur ne s'échapperait pas aussi rapidement. Là, tu me donnes une idée, Anne-Sophie. Je peux emprunter ton livre? Bien sûr. Arnaud, mais ça ne va pas, tu viens de déchirer mon livre. Je suis désolée, Anne-Sophie, mais comme on dit, au grand mot, les grands remèdes. Puisque la chaleur s'échappe si facilement de cette veste, la seule solution, c'est de trouver un moyen pour la bloquer. Hé, hey, mais ça marche. Oh, c'est l'inspiration de l'isolation. On va se transformer en iceberg. Et eux, qu'est-ce qu'ils font, hein? Je te parle, c'est toi qui as la jumelle. Pour l'instant.